Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce live shopping de Noël. Exactement, bienvenue tout le monde. Donc je me présente, je suis Mathilde, mon pronom c'est elle et je suis superviseur de la boutique La Cheval d'Europe. Je suis aujourd'hui accompagnée de... Rémi du coup, mon pronom c'est il et je viens de la boutique de Lush Lompardieu et je suis conseiller de vente. Merci également à Ryan qui est notre support technique aujourd'hui. Nous avons aussi Chloé qui a permis d'organiser tout ceci. Déborah, notre support émotionnel, notre troisième brand ambassadrice. Et nous avons bien sûr Aliénor qui va vous accompagner sur le chat. Donc n'hésitez pas à lui poser plein de questions, elle se fera un plaisir de vous répondre. Puis voilà, là comme vous pouvez le voir, tout ce qu'on a autour de nous, c'est plein de cadeaux de Noël parce que ça y est, on rentre un peu dans le vif du sujet là. On est le 6 décembre d'ailleurs, joyeux Saint-Nicolas à tout le monde. Je pense que c'est le meilleur jour pour faire ce live shopping. On va vous présenter notre collection de Noël et surtout les cadeaux. Et est-ce que toi Rémi, Lush et Noël, enfin Noël à Lush, qu'est-ce que ça t'évoque ? Ça m'évoque évidemment du coup mon entrée dans l'entreprise. Quand j'ai découvert Lush, je suis rentrée chez Lush pour Noël et c'était un magasin qui était plein de coffrets cadeaux, de couleurs, de paillettes. Bref, la magie Lush plus la magie Noël ensemble, c'est juste le combo parfait. C'est ça. Et pour toi du coup ? C'est vraiment magique. Je suis d'accord avec toi pour tout le côté magique de Lush qui est juste incroyable. Et en plus, on est vraiment de base une marque très colorée, très festive, très diversifiée dans plein de choses. Et je trouve que la période de Noël, c'est justement la belle image. Enfin, ça représente vraiment cette image-là de la marque. Tous nos cadeaux vont avoir des formes, des couleurs, des tailles différentes, seront composés de plein de produits différents. Et moi, ce que j'adore en boutique, c'est à chaque fois découvrir quel sera le packaging du cadeau cette année. Parce qu'il faut savoir qu'on a plusieurs cadeaux qui portent le même nom et qui vont se retrouver un peu d'année en année. Bien sûr, la composition changera puisque la collection n'est pas la même tous les ans. Et j'adore du coup voir quel sera le nouveau packaging, notamment pour le calendrier de l'Avent que vous pouvez voir juste ici, ou alors calendrier de l'Avent 12 jours qui est au-dessus de Rémi. Ça, c'est les petits plaisirs quand on ouvre les cartons en livraison et qu'on voit les emballages. Ça, c'est hyper excitant. Des petits nouveaux à chaque fois qui reviennent d'année en année, mais tout le temps relookés. Ou les nouvelles créations aussi, oh là là, les nouvelles créations, c'est incroyable. Tout à fait, c'est clair. Mais justement, on est en plein dans Noël, on a besoin du coup de courir partout. Mais juste avant de courir partout et d'aller chercher du coup ces coffrets cadeaux, évidemment, il y a un concours aujourd'hui. Et oui. Un concours du coup où vous allez pouvoir du coup, remporter des coffrets qui sont cachés du coup dans le décor. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout, soyez patients. Et puis, on pourra en reparler juste à la fin. Exactement. Et donc, là, on va parler de cadeaux. Peut-être que vous êtes déjà dans vos achats pour les fêtes de fin d'année. Peut-être que vous y pensez. Peut-être que c'est quelque chose qui vous stresse, qui vous fatigue un petit peu. Pas de panique, on a la solution. Déjà, en plus d'avoir des merveilleux cadeaux qui peuvent vous aider à rapidement trouver votre bonheur, on a aussi de quoi vous relaxer, vous. Donc ça peut être vraiment un cadeau pour vous, ou alors un cadeau à offrir à vos proches que vous pensez un peu stressé, un peu fatigué en ce moment. C'est le nouveau soin spa The Energizer, qui est sorti le 1er décembre. Parce qu'à savoir que, bien sûr, Lush possède un spa. Peut-être que vous ne le saviez pas, peut-être que vous l'apprenez maintenant. Le spa se situe à Paris, dans le Marais. C'est la boutique concept store Lush Fresh and Flowers. À savoir que cette boutique, c'est une boutique unique au monde. C'est vraiment une boutique c'est vraiment une expérience à part entière. Ça ne ressemble à aucun Lush que vous connaissez. C'est-à-dire que vous poussez la porte et vous arrivez comme dans un marché. C'est un peu l'art de vivre à la française. Vous avez ces pâtisseries, ces choses gourmandes, ces choses colorées, sans emballage, des produits nus qui vont vous donner envie à consommer très rapidement. C'est des produits vraiment, on est dans l'extra fraîcheur pour le Fresh and Flowers. On a aussi des fleurs. Oui, des fleurs fraîches en plus qui viennent, qui sont locales. Exactement, pour le coup. Donc ça, c'est très très chouette pour accompagner toute sa routine skincare ou bodycare de fleurs fraîches. C'est ça, les fleurs sont bio, de saison, sans pesticides, donc ça c'est très important pour nous. En plus, donc vous avez aussi Salomé la fleuriste qui est là pour vous accueillir et pouvoir composer vos propres bouquets. Vous avez aussi les fleurs à la tige, mais bon, ça je vous laisse le découvrir en vous y rendant. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quand on pousse la porte de l'arrière-boutique, on rentre dans un cottage anglais. En fait, on rentre dans le spa, tout simplement, de le spa Lush, à savoir que vous avez deux cabines là-bas. C'est un spa, donc qu'il n'y a que à Paris, mais pas de panique si vous êtes d'ailleurs, en France, parce que vous avez, quand vous achetez la carte soins spa, 2 ans pour l'utiliser. Donc ça laisse quand même pas mal de temps pour pouvoir se trouver un petit moment à soi ou à partager pour se coucouner. Donc revenons au vif du sujet. The Energizer, qu'est-ce que c'est ? On est sur un soin tonique, on est sur un soin qui va
utiliser plusieurs techniques, que ce soit de la pression, que ce soit des percussions, que ce soit des étirements, vraiment, on va vous relaxer, on va vous requinquer. L'idée, c'est, hop là, on repart du bon pied, on est prêt pour supporter tout le stress des périodes de fin d'année ou toute l'excitation aussi, parce que bien sûr c'est aussi une période qui se veut joyeuse et donc on a beaucoup d'émotions qui vont arriver, et là le son il va permettre hop, de se remettre un peu au goût du jour. Si vous connaissez The Hardest Night Treatment, ça va être un peu sa version réduite et plus tonifiante. Et c'est aussi un soin très musical, très dynamique. Et on va vous laisser pendant 30 secondes avec un teaser sur ce soin pour vous immerger dedans. Voilà, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment quelque chose d'assez tonique. Vous avez vu aussi sans doute les maillets, les pompons là, tellement moelleux, on a envie de les prendre comme ça, super mignons, qui sont bien sûr aussi utilisés pour sonner les gongs, vous savez, donc c'est vraiment, encore une fois, ce lien avec la musique. Vous avez vu aussi que la personne sur la vidéo est habillée, parce qu'il faut savoir que pour ce soin, il n'y a pas de nudité, donc c'est très bien pour les personnes qui veulent peut-être se familiariser avec des massages, des soins, qui sont peut-être un peu pudiques ou qui ne se sentent pas à l'aise avec le déshabillage. Ce soin-là, il va être vraiment idéal pour ça. Pareil pour sa durée, on est sur un soin de 25 minutes pour un budget de 55 euros. Donc c'est vraiment idéal pour découvrir Lush de son côté spa et ses expériences très immersives, très personnalisées aussi, puisque vous avez toujours une consultation avec le masseur ou la masseuse et à la fin une collation surprise en rapport aussi. Donc c'est super. Est-ce que Rémi, ça t'a donné envie? Ça m'a donné tout ça. Ça m'a donné tellement envie. Là, j'ai qu'une envie, c'est de courir dans toutes les boutiques de Paris et de foncer au spa de chez Lush, du coup, juste pour ce petit moment détente et repartir de nouveau. Exactement, repart d'un bon pied après ça, donc ça, c'est sympa. Mais donc maintenant, nous... Eh ben, il est temps de repartir faire les boutiques, du coup. Exactement, boutique Lush. Boutique Lush, ou alors sur le site internet. Et donc, on va du coup parler de nos premiers coffrets. Et on débute avec notre Snow Dragon, qui est trop beau. Regardez-moi cette couleur, voilà. Franchement glacée. On dirait une boîte de chocolat glacé. C'est vrai, c'est vrai. Les boîtes un peu irisées comme ça, c'est exactement ça. D'ailleurs, vous voyez peut-être, mais il y a des paillettes aussi bleues dessus. Oui. Des dragons dessinés, c'est vraiment magnifique. À savoir aussi que ce cadeau... se trouve dans notre catégorie de cadeaux à moins de 25 euros. Oui, voilà. Tout à fait. Donc ça, c'est vachement chouette. Vous avez des cadeaux à moins de 25. C'est ce qu'on va vous présenter à l'instant. Et en l'occurrence, il faut savoir que sur chaque coffret que vous trouvez sur le site ou en boutique, les papiers sont 100% recyclés. Et on a également, du coup, ben, ces petits cordons-là qui sont faits à base de bouteilles de boissons recyclées. Exactement. Donc tout est vu dans le détail. Évidemment, vous avez aussi une étiquette pour découvrir l'intérieur du coffret. Vous pouvez marquer pour qui il va être et de la part de qui. Et en boutique, vous découvrirez également le prix qui est caché à l'arrière, du coup. Et ben on va découvrir notamment ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, c'est parti. Donc le Snow Dragon, je vous le pose juste ici, comme ça vous l'avez bien en visuel. On va notamment parler du coup et bien de la bombe de bain qui porte le même nom. C'est notre Snow Dragon Bath Bomb. On est sur un dragon, du coup, qui se repose parce que ben il a volé à travers le monde entier pour justement aller récupérer tous ces beaux ingrédients bien sourcés. Peut-être et... des cadeaux aussi, peut-être qu'il a aidé le Père Noël aussi dans sa course d'ailleurs. Exactement, c'est peut-être un dragon de Père Noël. Exactement, pourquoi pas. Et la première chose qu'on remarque, alors déjà c'est sa forme évidemment, et c'est aussi sa couleur, sa belle couleur bleue, et aussi qui est pleine en fin de compte, un petit peu de cristaux sur le dessus, on dirait des améthystes. Donc vous avez une vidéo qui s'affiche à l'écran qui vous montre justement son effervescence dans l'eau, et vous avez du coup plein de cristaux qui sont sans sucre pétillants à l'intérieur. Et si vous connaissez du coup nos autres produits, et bien ça porte exactement le même parfum que notre savon Baked Alaska au pamplemousse. Je te laisse aussi du coup en profiter. C'est vrai qu'il est très frais ce dragon glacé. Peut-être qu'il...
Voilà, il dort, il se repose, en effet, comme on a dit, il hiberne peut-être. Voilà, ce Exactement. dragon, il est vraiment hyper frais. Il remplace aussi, peut-être que vous connaissez déjà nos gammes de Noël des autres années, on avait l'habitude d'avoir un hippopotame qui dormait aussi, qui était senteur lavande. Là, on est dans la fraîcheur, on a décidé de partir plutôt dans un monde magique, un peu plus fantastique. Donc voilà pour le premier produit que vous avez dans ce coffret. On a également une deuxième bombe de bain, parce que c'est un coffret bain, qui est la Crystal Snow. Oh là là, la Crystal Snow, donc. On est sur une senteur assez sucrée, ça va être de l'orange et en même temps aussi, vous avez la menthe à l'intérieur, donc un peu chocolat-menthe, vous voyez l'ambiance de Noël. On a les grains de sel marin récoltés à la main au-dessus. Celle-ci, elle est très bien pour les personnes qui aiment les bains doux, les bains lactés. Ça va être un peu une ambiance de bain en Islande, vous voyez vraiment les eaux thermales comme ça qui vont être hyper, hyper douces. Et voilà, si vous aimez aussi d'ailleurs la bombe de bain Sakura qu'on a toute l'année chez nous, ça peut vraiment vous plaire parce qu'on est dans la douceur et dans la simplicité avec cette bombe de bain. Hop! Très joli premier coffret, Exactement, mais ça ne maintenant. s'arrête jamais. Surtout que là, ça va varier un petit peu parce que ça va être très bien pour les personnes qui n'ont pas de baignoire ou qui ne prennent pas de bain. On va être sur un coffret tout pour la douche. On Exactement. aura deux produits à l'intérieur. Déjà, regardez cet emballage, il est hyper tonique, il est Trop beau. hyper visuel, voilà, hyper fun, très sympa. On a deux produits. Le premier produit qu'on aura, c'est le gel douche Health Check. Déjà, juste prenons un temps pour admirer sa couleur. Voilà, pour les fans de vert comme moi, c'est juste un plaisir. On est sur un vert pomme très flashy, très sympathique et qui va du coup vraiment aussi nous donner une idée de quelles sont les senteurs et quelle est l'ambiance qu'on a avec ce gel douche. On aura vraiment plein de jus, très bien pour une douche du matin. On aura du jus de pomme frais, on aura du jus de raisin frais, du jus de citron frais et du jus de kiwi frais. Donc là, le shot de bonne humeur pour le matin avec le Health Check. Et du coup, on va pouvoir l'accompagner d'un autre produit qui est caché dans ce coffret-ci. Et il va s'agir du coup de la Bouncing Santa. Bouncing Santa qui est du coup une gelée de douche. Exactement. Nos fameuses gelées de douche que vous pouvez retrouver en boutique et sur le site internet. En l'occurrence, on est sur un Père Noël pour cette année. Donc, tac, je vous le déploie comme ça, je peux vous le montrer. Tac, on va éviter de le faire tomber, le pauvre. Déjà qu'il fait plein de cheminées, on va le laisser quand même en vie. Vous avez évidemment encore une fois une vidéo qui s'affiche pour que vous puissiez un petit peu voir l'utilisation justement de cette super gelée qui sent mais tellement bon, c'est super rafraîchissant. Pour la petite anecdote, justement, ce côté juste gélifié, ça vient de la carragenane, donc qui est une algue et qu'on utilise notamment aussi pour nos super patchs pour les yeux aux concombres qu'on adore. Ouais, Et incroyable ce donc, produit. on en a réintroduit ben justement dans la gelée pour le gélifier et surtout au niveau parfum, ben, le melon cantalou et C'est ça. l'huile du coup de pépins de pastèque qui l'accompagne pour ouais, finir une douche ou pour débuter une douche de manière tonique, C'est ça. rafraîchissante. D'ailleurs, ce qu'on va vous présenter là, on peut s'imaginer que c'est un peu un déroulement d'une journée de Noël ou une journée festive où on a débuté sa journée avec une douche hyper tonique, hyper fraîche. Et après, vous allez voir, on va finir en douceur avec tout ça. Mais c'est pas fini, on n'est qu'à la moitié. On va maintenant partir sur un troisième cadeau. Là, cette fois-ci, on est sur un cadeau qui se situe au-dessus de 40 euros, entre 40 et 50 euros. Hop là, attention, vous allez voir, l'emballage est bien différent de celui qu'on a présenté. Tada! Love makes it better. On est vraiment sur quelque chose de très original. Vraiment, c'est très lush. On a la poignée rose ici, flash, j'adore. Vraiment magnifique. Rémi, je te laisse nous expliquer un peu quelle est cette boîte. Elle est Pourquoi? juste sublissime. Love Make It Better. On est vraiment sur une boîte du coup métallique avec sa petite poignée, mais qui nous fera forcément penser aux boîtes lunch du coup pour emmener du coup son petit déjeuner, pour cacher plein aussi de bombes de bain ou de secrets à l'intérieur. Et donc vous pouvez l'ouvrir, tac, et découvrir l'intérieur où il n'y a rien pour l'instant. Mais évidemment, il y a plein de choses qui sont cachées à l'intérieur quand vous l'achetez. Ce qui est aussi du coup un point important à aborder, c'est qu'elle a été faite du coup au niveau du design par la Art House Unlimited, donc qui est une association en fin de compte avec qui on travaille, qui nous a fait notamment notre super calendrier de l'Avent cette année, qui va faire travailler justement des personnes du coup en situation de handicap. Et notamment, ils nous ont fait ce super design et il s'agit d'ailleurs de Simon qu'on peut retrouver directement sur la petite étiquette avec.
le nom, les produits, le prix, etc. Vraiment, vous avez de la transparence sur absolument tout ce qui se passe sur un cas de loge. Exactement. Et quand même, qu'est-ce qu'on a ? On a quand même du coup des produits, comme on l'a dit, dans ce coffret. C'est un coffret qui va mêler à la fois la douche et le bain. Donc comme ça, c'est bien entre les deux qu'on a déjà présenté. Et on va parler de ma bombe de bain préférée de Noël. Regardez comment elle est trop belle. La Sweet Pudding. Déjà, ah, c'est enivrant comme senteur. J'aimerais que Lush, si Lush m'écoute, qu'on crée vraiment un body spray de cette senteur parce que c'est incroyable. Elle va être la même senteur que notre pain moussant Fun Rainbow couleur rose. Donc c'est sucré, c'est de la tonka, du benjoin et aussi de l'amande à l'intérieur. Vous avez aussi du sucre glace pour le côté Noël. Gourmand, et vous avez ce symbole ou juste ici, donc c'est juste super sympa. Voilà, et on retrouve notamment aussi la gelée Père Noël à l'intérieur. Exactement, donc si vous l'avez adorée, elle est présente, donc ça c'est très très chouette. Tac. Et donc on va penser du coup à un autre cadeau, mais juste avant ça, évidemment, on vous rappelle qu'il y a un concours, donc restez jusqu'à la fin. C'est ça, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout, il y a une belle surprise. Tout à fait, et on va passer à un autre cadeau. Il y a un lien avec celui-là d'ailleurs. Un lien avec celui-ci, exactement, toujours la Art House Unlimited avec notre Cheers, Love, Smile and Be Happy. Donc déjà ça donne la couleur, on a juste envie d'être heureux quand on voit ça. En même temps, est-ce qu'on n'a pas déjà envie d'être heureux quand on voit tout ça? Alors franchement, on est bien hyper heureux. Tellement de couleurs, il est juste sublissime. Encore une fois, c'est Simon du coup qui nous a fait ce design qui nous fait penser justement à des sapins, des feux d'artifice, quelque chose de super festif. Et on retrouve évidemment plein de beaux produits à l'intérieur, dont hop, notre superbe Hot Toddy. Hot Toddy, ça a vraiment une passion. Alors là, ça va vous réchauffer. On a été tonifié là par les premiers produits douche qu'on vous a présentés. Si on n'a pas envie d'être aussi tonifié, mais qu'on a envie d'être plutôt cocooning pour ce matin d'hiver, ce matin de fête, bah, je pense que le Hot Toddy, il est génial. Qu'est-ce qu'il y a dedans, du coup, Rémi ? Il est incroyable. On est du coup sur une infusion du coup de giroflier, de cannelier. On a même du gingembre en début de composition. Il est super tonifiant. Ça nous rappellera évidemment des célèbres boissons de marché Noël. Ou alors des cinnamon rolls. C'est le parfait mélange en fait entre ces deux produits. Hein. C'est ça. Ça vend vraiment du rêve. Et dans cette boîte, vous pouvez retrouver également crème pour les mains et aussi une crème qui a été très connue, qui n'est pour l'instant plus disponible, mais restez patient également. Notre superbe Karma Cream que vous pouvez retrouver juste ici, patchouli orange du Brésil. Elle se trouve à l'intérieur. Donc si vous êtes des fans de Karma, foncez sur ce cadeau, il est trop bien. Exactement. Et si vous êtes fan en général de, vous savez, les senteurs de Noël, c'est vraiment la période où on va venir chercher ces bougies qui sentent les épices de Noël, les gâteaux qui sentent les, enfin qui ont un goût, pardon, d'épices de Noël. Voilà, pour tous ces, pour vous qui êtes fan vraiment de cette ambiance, et ben le Hot Toddy va vous plonger dedans. En plus, vous avez les paillettes aussi dans le gel douche qui donnent un aspect vachement magique. Paillettes en plastique, toujours. Paillettes en plastique, très important de le préciser, en effet. Donc voilà pour ce magnifique cadeau douche. Absolument, il est vraiment génial celui-ci. Et on a besoin peut-être de s'amuser maintenant. Oh là là, alors là on va s'amuser. Amusons-nous. Et c'est vraiment, pour le coup, un cadeau. Si vous êtes comme moi, fan de jeux de société ou voilà, de passer des bons moments ludiques avec les personnes que vous aimez, le Christmas Party, il est génial. Donc là, on est sur un cadeau bain. Je vais le mettre de côté parce que je vais vous montrer ce qu'il y a un peu à l'intérieur. Et déjà, je me permets de te faire un peu de place. Il est entouré d'un magnifique foulard. Assez grand, regardez-moi ça. Trop beau. Et on est sur un terrain de jeu, en fait. Vraiment, c'est un plateau de jeu, plutôt qu'un terrain, quand même, n'abusons pas. Mais on est sur un plateau de jeu, ici, qui va vous faire penser, bien sûr, à un plateau de jeu pour jouer aux échecs ou aux dames. Et ça tombe bien, parce que Lush a pensé à tout. Nous avons, de ce côté-là, nos jetons pour jouer aux dames. Et de l'autre côté, nos jetons pour jouer aux échecs. Donc ça, c'est vraiment super sympa. En plus de ça, on a plein de choses dans ce coffret, vraiment il est très complet en plus des produits pour le bain. On a des stickers, regardez comment ils sont trop beaux, ils sont hyper colorés, ça va donner la patate. D'ailleurs Rémi, je te nomme lutin du Père Noël. Et voici. Hop, voilà, je magnifique pour habiller aussi vos tenues. Ça c'est vraiment super sympa et en fait il y a des petits mots rigolos à chaque fois écrits dessus. Les autocollants sont faits bien sûr à partir de papier recyclé. On a aussi des couronnes. Hop, en papier, on en a deux. Je me sacre moi-même reine de Noël pour aujourd'hui. Vous ne m'en voudrez pas. Sachant que c'est parfait. Après les fêtes de fin d'année, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, y a la galette. Et donc, si vous voulez réutiliser cette couronne pour la galette, eh ben, c'est parfait. Voilà. Parce qu'on réutilise tout chez Lush. Rien n'est acheté, tout est à réutiliser. Exactement.
On c'est a... tombe à pic. Exactement. On va quand même parler de produits qui composent ce cadeau, parce qu'en plus d'être hyper ludique, il a des produits hyper intéressants et hyper fun. Notamment, on a ce snow, enfin ce bonhomme de neige puppet, donc cette marionnette finger comme ça, donc qui est blanc et il y a un nez, son nez ici qui est peint en orange, peint à la main, parce que je vous le rappelle que chez Lush, tous les produits sont faits à la main, et là c'est vraiment représentatif, et on peut vraiment jouer avec, soit pour l'utiliser peut-être comme un jeton, pour peut-être un jeton pour remplacer un jeton d'échec, qui sait, ou alors aussi à jouer dans la baignoire, lui créer une histoire avant de le plonger. Pour sa composition, en plus, c'est hyper doux, on est sur de la fécule de tapioca et en même temps de la farine d'avoine. Pour les peaux sensibles, il est idéal. Senteur, sucre d'orge. Il est top celui-ci, vraiment. Il sent tellement bon, super adoucissant pour Exactement. La peau, c'est vraiment une pépite pour les fêtes de fin d'année. Donc là, je replie mon tapis de jeu, que je pourrais très bien l'utiliser aussi pour un pique-nique, à emporter partout, c'est très pratique. Et là, on a fini, par exemple, après les fêtes de fin d'année, on a bien mangé, on a joué, et on va aussi, du coup, pouvoir un peu... Passer au dessert. Exactement. On passe au dessert, et notamment avec notre belle boîte d'un beau rose, ma couleur préférée. Ah là là, c'est vrai qu'elle est magnifique, cette boîte. Elle est sublissime. Pareil, Christmas Bliss, ça fait partie des cadeaux qui peuvent revenir chaque année. Je sais que l'année dernière, il y avait aussi un Christmas Bliss, et là, la composition est différente de celui-ci. On a deux figures emblématiques, dont une... que Rémi adore. Et oui, Snow Fairy, je pense que si vous étiez avec nous pour le live du coup qui s'est passé il y a un mois en arrière, on a parlé de Snow Fairy. Et Snow Fairy, rappelons-le, c'est cette collection rose, donc aux étiquettes roses que vous retrouvez sur le côté, qui est très régressif comme parfum, quelque chose de barbapapa, qui est vraiment dans le sucre. Et donc, en l'occurrence, c'est parfait voilà, pour passer au moment du dessert, ce côté très rafraîchissant avec le citron vert perse à l'intérieur. On a aussi le musc synthétique, qui est donc sans cruauté animale, et le parfum qui est caché à l'intérieur, qui donne ce côté hyper sucré. C'est la botte secrète de Lush, exactement. Le Snow Fairy. On a le Snow Fairy qui est emblématique de Lush pour le côté Noël, et même toute l'année, on en parle et on attend le Snow Fairy. Mais heureusement, on a quand même une autre senteur emblématique qui, pour le coup, toute l'année est là, c'est la gamme Sleepy. Dites-nous en commentaire d'ailleurs si vous la connaissez cette gamme-là, si vous l'avez déjà testée. Pareil pour la gamme Snow Fairy, n'hésitez pas à nous le dire. Sleepy, on est sur deux ingrédients phares. On aura la lavande relaxante apaisante et on aura la fève de tonka sucrée gourmande. Et en fait, les deux ensemble, on est sur quelque chose de très réconfortant, de très apaisant, enivrant. Et vraiment, c'est une senteur unique que je ne sentis que chez Lush et qui m'englobe à chaque fois d'un bien-être vraiment énorme. Donc, et en Snow Fairy a aussi cet effet-là. Donc en fait, les deux ensemble, c'est un côté cocooning, un côté sucré, reposant, apaisant, hyper sympa. Il tombe à pic, ce c'est cadeau, ça. Vraiment. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a dedans, du coup? À l'intérieur, on a tellement de choses. Déjà, on a la version 100 ml du spray Snow Fairy qui est juste génialissime. Vous pouvez vous parfumer avec, mais vous pouvez aussi du coup parfumer votre intérieur. Mais ce qui va aussi nous intéresser, c'est pour les personnes du coup qui n'ont pas de bain. Ce sont du coup les bombes de douche. Est-ce que vous les connaissez? N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez déjà testé des bombes de douche, parce qu'on est connu pour le bain, on a inventé la bombe de bain chez Lush, mais on a aussi du coup la bombe de douche. Et oui, on a de quoi se faire plaisir pour tout le monde et de quoi s'amuser pour tout le monde aussi, parce que le but de la bombe de douche, c'est que ça soit un moment ludique dans la douche, que voilà, les personnes qui ne prennent pas de bain puissent aussi s'amuser avec celle-là. Voilà, voilà, c'est ce que je disais. C'est enivrant et c'est vraiment relaxant. Là, je suis apaisée avec cette bombe de douche. Ce que j'aime trop aussi, c'est le tampon. Bon, vous ne le verrez pas vraiment ici, mais il y a Sleepy tamponné dessus et c'est vraiment hyper agréable. Et comme vous pouvez le constater du coup avec la vidéo qui s'affiche à l'écran, il suffit du coup de la prendre entière dans la main, de faire couler l'eau dessus, ça va faire une espèce de mousse, une crème, ça va un petit peu crépiter, et vous prenez la chantilly, vous lavez le corps avec, c'est juste génialissime. Exactement. Donc testez-les, venez en boutique ou commandez-les sur internet. Donc si tous les cadeaux là vous ont plu, mais vous êtes dit j'aimerais bien le F-Shake d'un cadeau, j'aimerais bien le Hot Toddy d'un autre, j'aimerais bien le... la bombe de bain Crystal Snow, mais comment faire pour que tout soit réuni? Ne vous inquiétez pas, on a une solution pour tout chez Lush, on pense à tout, on pense à vous. Regardez par exemple, peut-être que vous connaissez déjà la technique japonaise du furoshiki. Donc là on est avec, et il veut pas, ah voilà, on... alors il faut que je le mette à l'endroit. On est avec, pardon, notre magnifique Père Noël hyper funky. Donc là on est sur The Santa Claus Experience.
Donc, le furoshiki, c'est une technique japonaise. L'idée, c'est vraiment d'emballer ces produits de manière écologique et responsable. On va pouvoir réutiliser cet emballage. On va pouvoir, par exemple, le mettre autour de la tête, on va pouvoir le mettre autour d'un sac, on va pouvoir peut-être, si on est créatif, en faire une tête d'oreiller, que sais-je, vraiment plein de choses comme ça. Donc ça, c'est hyper chouette. Et à savoir que ce foulard-là, en particulier, il a été fait à partir de bouteilles recyclées. Donc ça, c'est hyper sympathique aussi pour le foulard. Là, vraiment, la technique, je n'ai pas passé de brevet furoshiki, ne vous inquiétez pas, tout le monde peut le faire. C'est vraiment une histoire de nœuds. Bien sûr, après, il y a des professionnels pour ça. Au Japon, ils en font carrément à chaque fois des compétitions. C'est hyper sympa à voir. Voilà. C'est un vrai art, absolument. C'est vraiment un art. Et pour nous, chez Lush, c'est vraiment une manière d'emballer. Donc, hop, on va partir ici sur un nœud comme ça, voilà, que vous pouvez voir juste ici. Ça reste assez simple, ça reste très joli à mettre sous un sapin ou à offrir pour n'importe quelle occasion, parce que les foulards, on les a toute l'année, pas que pour Noël. Celui-ci, c'est une édition limitée de Noël, bien sûr, mais on a aussi des vintage, on a aussi d'autres couleurs, donc il y en a pour tous les goûts, vraiment. Faites-vous plaisir avec ça. N'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire si vous avez déjà connu ce mode d'emballage, que ce soit avec Lush ou sans Lush, et si ça pourrait vous intéresser, si vous avez envie de passer de manière plus écologique et responsable pour les cadeaux. Hop là ! Et évidemment, nous avons aussi d'autres moyens d'emballer. Et oui, donc nous avons plein de ressources, encore une fois. Toujours plein de ressources chez Lush. Donc on a évidemment les foulards, mais on a aussi du coup les boîtes métallique. Et donc, tac, je vous présente ma superbe boîte, la Northern Light. Elle est belle. Elle est sublissime, les couleurs sont topissimes, franchement. Elle est au prix de 7 euros. Vous pouvez la retrouver aussi bien sur le site internet qu'en boutique. Et donc, rien de plus simple. Votre boîte, vous l'ouvrez et, en l'occurrence, nous, ce qu'on aime bien faire en boutique, c'est mettre des écoflots. Je ne sais pas si vous connaissez les écoflots, c'est ce que vous voyez juste ici, du coup. C'est en fin de compte, alors pas de panique, hein, pas de plastique, pas de polyester, non. On est vraiment sur, en fin de compte, du maïs ou de la pomme de terre qui est soufflée, un c'est peu à la ça. Manière d'un pop-corn. Exactement. Et ça va nous permettre de directement, en fin de compte, un petit peu conserver l'intégrité de nos produits, de nos bombes de bain, éviter qu'ils s'entrechoquent. Puis ce qui est très chouette, c'est que vous pouvez directement les mettre dans les plantes, dans un lavabo, c'est complètement compostable, donc il n'y a aucun souci, ça ne prend aucune place. Donc très très chouette, et évidemment je vais faire mon coffret. Mon coffret idéal, qu'est-ce qu'il y aurait dans mon coffret idéal? Je vais mettre tout le reste. On va mettre tout ce qu'on a ici dans la boîte. Donc on va y faire entrer évidemment notre superbe bonhomme de neige de tout à l'heure. On va évidemment mettre le dragon, il va aller atterrir, tac, dans la boîte. Ça c'est très chouette. Enfin il a trouvé un petit nid douillet. Ce qui est très sympa avec les écoflots, c'est que ça rappelle aussi la neige. Donc vraiment là, vous pouvez pas tomber mieux. Très sympa. Mettons-y aussi notre Bouncing Santa, parce que bon, quand même, la gelée, c'est beaucoup trop bien. Et allez, petite dernière chose, la bombe de douche Sleepy à la lavande et à la tonka. Et on est paré, on n'a plus qu'à refermer la boîte, à la garder pour soi ou à offrir. Exactement. Et donc si là, tous ces cadeaux vous ont plu, mais que malheureusement vous n'avez peut-être pas de Lush à côté de chez vous, ou vous préférez tout simplement peut-être faire vos achats en ligne, sachez que depuis octobre, Lush a créé un nouveau produit hyper intéressant qui s'appelle le Lush Pass, qui va vous permettre de vous faire livrer en point relais, donc le point relais de votre choix, de manière très rapide. C'est un produit qui coûte 25 euros et ça va vous permettre d'avoir des livraisons gratuites et illimitées sur toute l'année. C'est vraiment un abonnement à l'année de 25 euros. Comment l'avoir? Tout simplement, c'est comme un produit, donc vous l'ajoutez à votre panier et après vous vous faites plaisir. Absolument. Voilà. Trop trop bien ce produit. Donc si vous voulez mettre du Lush tout le temps, toute l'année, une fois par semaine, tous les deux jours, prenez le Lush Pass. Ouais, vraiment c'est hyper sympa. Avantageux. Et ça pourra du coup fonctionner en France métropolitaine pour le moment. Mais ça va peut-être se développer par la suite, on verra bien. Exactement. Mais là, merci déjà d'être resté jusqu'au bout. Absolument. C'est le moment que vous attendez. C'est le moment où c'est vous qui êtes les stars. C'est le moment où on va vous faire des cadeaux. On a prévu de vous gâter pour Noël. Et oui, alors si vous êtes resté jusqu'au bout, ou alors si vous nous avez rejoint du coup en milieu de live, on vous a évidemment parlé du jeu concours. Et donc le jeu concours d'aujourd'hui, ça va être très simple. Vous allez devoir du coup cliquer sur le lien qui s'affiche à l'écran. Donc c'est pour s'inscrire à la newsletter, mais pas de panique. Si vous êtes déjà inscrit, il n'y a aucun souci. Ça va vous inscrire pour ce super jeu concours où le tirage au sort aura lieu du coup le 8 décembre. Exactement. Et on a du coup trois cadeaux qui sont cachés dans le décor que vous pouvez du coup tenter de remporter.
Donc, c'est ça. On espère que la Saint-Nicolas va vous porter bonheur, chance, parce que c'est exact. Vraiment le moment. C'est le moment de... Les étoiles sont alignées pour que peut-être vous repartiez avec un magnifique cadeau qu'on vous a présenté. Je crois que c'est la fin de ce live. Oui, déjà. Voilà, déjà, ça passe super vite. Mais en tout cas, nous, on a adoré vous présenter les produits. Je remercie encore une fois toute l'équipe qui était avec nous. Donc, Ryan, Chloé, Déborah et Aliénor pour le chat. Merci beaucoup, merci à toi Rémi, c'était hyper agréable de présenter tous ces cadeaux avec toi. J'espère qu'on vous a donné plein d'idées aussi. Là, franchement, vous n'avez plus d'excuses si jamais vous n'avez pas d'idées pour les cadeaux. Là, je pense qu'on vous a donné toutes les cartes en main pour trouver le cadeau parfait. Merci effectivement à toi Mathilde, du coup, de m'avoir accompagnée pendant ce live. C'était tellement agréable. Merci encore une fois à l'équipe qui nous a entourés. On espère que ce live vous a plu. Et puis, on vous retrouve très prochainement pour un prochain live. Et d'ici là, très bonne fête de fin d'année. Prenez soin de vous, bonne fête de fin d'année, joyeux Noël, joyeux toutes les fêtes de fin d'année qui peuvent arriver. On pense fort à vous et puis profitez bien. Au revoir. Au revoir.